À tous mes supporters. Voilà. Et le travail, vraiment, je salue les Pikinois. Ok. D'abord. Ok. Vraiment, je suis content. Tu es vraiment, très content. Je suis très content. Ok. Hein? Ok. Boy, boy, continue de t'exprimer. Couper quoi? Il n'y a rien à couper. Hein? Il n'y a rien à couper. Boy. 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 Eh, hey, dinga lak français de l'air là, pour moi, boy. Dama joge fu sori ba la émotion mo ja pose tout émotion lan pose rien de tout d'accord lolou nako dag après cho djibul reprends-toi un peu ok on revient boy bala pensionnaire de l'école de lutte Pabio Boisson tu es un lutteur professionnel oui je suis un lutteur professionnel tu pratiques la lutte oui, avec je pratique la lutte avec la frappe ok oui vraiment je travaille aussi también à l'hôpital femme ok oui tu travailles à l'hôpital femme à section covid je service des maladies infectieuses ok et de tropical quoi. D'accord on revient dans ta carrière tu as déjà livré combien de combats dans l'arène oui j'ai fait presque 6 combats hein 4 victoires tu as fait 6 combats oui sanctionné par tu as enregistré 4 victoires. Oui. Ok, avec 2 défaites. Après 4 victoires d'affilée, Tami. Tu as filé 4 victoires. D'affilée, vraiment. Non. Tu as filé 4 victoires. 4 victoires de défaite. Tu as affronté qui? Oui, j'ai affronté. J'ai 2 combats à Djourbel, 2 combats ici à Dakar. 2 combats à Djourbel. Oui. À Djourbel, tu as affronté qui? Lacrosse. Et l'autre là. L'autre, il s'appelle comment? C'est comment? Il s'appelle comment l'autre? J'ai oublié quoi. Non, mais tu dois pas oublier tes adversaires quand même. Oui, mais. Hein? Non, l'autre, Non, tu as tout mal à lui, il a affronté ici au stade de l'autre. L'autre. Mais ici à Dakar, tu as affronté qui? À Dakar, Tchadoumalaou de l'école de lutte de l'équipe Grand Yoff Mbolo. Qui l'a affronté. Et comment ça s'est passé? Ah, je passe bien. Je l'ai entraîné. Je le prends sérieusement. Ok, tu l'as pris sérieusement. Je l'ai pris. Tu t'es bien entraîné. Oui. Ok, et le jour du combat je venais avec mes amis. Et après le coup de sifflet de l'arbitre avec après le coup de sifflet de l'arbitre, tu fais quoi J'ai attaqué. Ok, tu l'as attaqué. Avec la manière. Ok. J'ai bagarre vraiment. Tu t'es bagarré. Oui. Ok. Après, c'est moi le vainqueur, le plus fort que lui. Ok, tu t'en es sorti vainqueur. Ok, tu es plus fort que lui. Vraiment. Mais après, tu as tout mal, tu as livré un autre combat. Ouais. C'était contre qui? C'est contre Boykaza. Boykaza de l'équipe du Grand Médine Bolo. L'équipe du Grand Médine Bolo. Et ce combat, tu l'as perdu? Je l'ai perdu. Tu l'as perdu. Je l'ai perdu à cause. Tu l'as perdu par excès de confiance ou bien tu ne t'es pas bien préparé? Oui, je l'ai perdu avec l'excès de confiance. Ok. Vraiment, mais je regrette quoi. Tu regrettes? Tu regrettes amèrement? Trop. C'est pour la raison, c'est la raison pour laquelle tu t'es trouvé ici aujourd'hui en train de t'entraîner vraiment dur pour préparer ton retour. Parce que j'ai fait 3 séances de combat. J'ai fait matin, 10h salle. Après le soir, j'ai fait des contacts avec mes partenaires. Okay.
Mais finalement, après, j'ai très maigri parce que je suis très faible. Quoi, okay, dans ce combat. Ok. Tu étais très faible avant très le faible, combat. Même avant le combat, parce que je suis malade, on m'a entraîné. Tu étais tombé malade? Je suis très malade. Ok, avant le combat, tu étais malade? Oui, je suis malade parce qu'on m'a interné dans l'hôpital. Ok. Ah, alors ça veut dire que non? Ça veut dire que la préparation? Oui, pendant une semaine. Mm-hmm. Après, je suis sorti avec mes papiers. Mm-hmm. Avec mes papiers de médical. Ok. Oui. Ok. J'ai dit concernant tes prochains adversaires, tu dois affronter qui et qui et qui? Je vais affronter. Tu vas affronter qui? Tchad Fora, c'est mon adversaire. Tchad Fora, c'est ton potentiel adversaire. Oui. Tchad Fora, pensionneur de l'Ekiri Lansar. Oui. Tu trouves que c'est un potentiel adversaire pour toi? Est-ce que c'est pas un danger? Est-ce qu'il ne représente pas c'est un danger pour toi? C'est moi que plus. Je le quoi? Non, tu penses pas que c'est un adversaire vraiment dangereux pour toi? Non. Hein? Il n'est pas dangereux pour moi. Vu que tu reviens d'une défaite. Il n'est pas dangereux pour moi. Est-ce que ce ne serait pas plus judicieux pour toi de choisir un adversaire un peu plus, je dirais pas facile, mais moins dangereux que Tchad Fora? Non, je veux pas un adversaire facile. Je veux un adversaire très difficile. Okay. Si c'était difficile, il venait, je me... Alors Tchad Fora n'a qu'à prendre son courage à deux mains pour venir t'affronter. Ok, à part Tchad Fora aussi. Et d'autres? D'autres comme qui? Il y a d'autres adversaires comme Ahmed Lagro, c'est mon adversaire. Ahmed Lagro, de l'équipe de l'école de Libadadion. C'est aussi un potentiel adversaire. Ok. Il y a Anaconda, il y a des... Anaconda, de l'école de l'Ibrahim Ndiaye. Et d'autres? Et d'autres? Il y en a d'autres aussi. Oui, il y en a. Ça veut dire que tu t'entraînes pour ton retour. Je ne peux pas. Et que ça va chauffer pour eux, pour tes potentiels adversaires. Ça va chauffer. Oui, Inch'Allah. Ok, alors tu dis quoi aux spectateurs, aux internautes, les personnes qui sont en train de suivre là, tu leur dis quoi? Comme clap de fin, comme mot de fin. Vraiment, je salue à tous mes amis et mes collègues, mes partenaires au travail. Les micros, ils sont où, un peu. Mes partenaires au travail. Vraiment, je suis très content de partager. Une émission très très bonne émission avec toi. Ok. Vraiment, tu es gentil, je te salue. Merci, vraiment. Merci, mon frère. Merci. Je suis très content de partager.
digëna wa djurbel wa lambi bawal ma lay bëgg wa xojël fi ma dëkk vraiment ma lay ni contané bu baaxa baax ikri amul séral yépp ma ngi lay ni bëggé baax liko dalé ci lay prévi ba ci mbeur yépp sama mak amed dem digëna wa xojël ñëpp vraiment ku lim jum dal jajeuf kon sama gaay gis ngeen dé ni rek la fay démé sa suné tay ñoo ngi won fi ci salle musculation MZ fitness club nek fi ci pikine ginaaw ray sama gaay gis ngeen dé ni rek la fay démé sa suné waaw tay ñogi won fi ci MZ fitness club nek fi ci Pekine ginaaw ray ñu won set ci ki di boy balle pensionnaire de l'école de l'île Pape Diop Boston le poulain di coach Abdou Ndiaye mom lañ ñewon jël ci tay le poulain de Mam Balla non recul mom lañ ñewon jël ci fekk ak mom waxtaan fekk ko fi na ci salle musculation bi muy entraîner lu yéme di entraîner lu metti di len wax dis que ne nek mbeur entraînement salle musculation da cey bax lool musculation da cey bax lool parce que amna lo xamne bo duggé ci lamb musculation ligé musculation rek mo la ci gëné di len wax dis que ne bay len xel bu bax ki di boy balla bo déggé ni muy waxé da ngay xamne dafa gëm bopam dafa mëna bëré lool man mëna ko sédel am fit mëna ko sédel kon dama nan dis akhul lamb xamé len ko rañé len ko bëggatuma musumé ko taxaw ci gëw ñu ne ki kala mais musumé ko taxaw ci gëw nañ né boy balla bu école de l'île Pape Diop Boston mi ngi nalé promoteur yi ñew len proposer boy bi combat ñew len contacter ko puisque limnay adversaire am néna gaay mi ngi ñew dal sen kaw sama gaay balen xel bu baax ki di boy balla pensionnaire de l'école de l'île Pape Diop Boston di len jox deug dajja ba benen yoon rek ci al ziarat ya ngeen def sama gaay.